dit, je jure de même de ne pas t'irriter contre toi. De ne pas m'irriter contre toi. Naipe na katitina yakosilika lisusu te likolo na yo. Et de ne plus te menacer. Pérai na kotungisa yo lisusu te. Quand les montagnes s'évaneraient. Tango bangomba ekopusana. Quand les collines chanteleraient. Tango bangomba yanike ekolingana. Mon amour pour toi ne s'éloignera point. Bolingwa na ngai. Bona yo ekokende mosika te. Et mon alliance de paix ne chancelera point. Pe boyo kanina ngai ekolingana te. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Elobi nkolo oyo asana mawana yo. Obeke Yesu Kristo maboko makasi. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Pourquoi est-ce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Dans le péché est entré par l'homme et via fait que son fils. Pensa la sangre de témoigne, oyo, alina kamingi, qui soit sacrifié pour toi et moi. Aeba na komi pesa mbeka mwana yo pengai. Jean 3:16 nous dit. Mokana na yoani mokapona misa to talatela na zoni na motobe le kibo. Car Dieu a tant aimé le monde. Pour être Nzambe alinga ki mokili. Il a donné son fils unique. Apesi mwana ye alikinda. Afin que quiconque croit en lui. Pour être o nyonso abondimela ye. Ne périsse point. Ye akufate. La vie éternelle. Quel amour bien aimé. Bon, ni ne sais pas si toi tu pouvais faire cela. Mais ne sais pas si tu pouvais te sacrifier même pour ton enfant ou pour ton mari. Personne d'entre nous ne peut faire cela. Il n'y a que Dieu parce que lui-même il est amour. Il a sacrifié son fils unique. Il a accepté qu'il puisse mourir sur la croix. La mort d'humiliation. Kufa ya soni peza. Il a été humilié. Yé a quitté sa magie peza. Humilié Dieu. Yé oya sanzambe. On l'a déshabillé. Malongo la ke bilamba. On l'a frappé. Ba beta kiye. On l'a blessé. Ba zoki sa kiye. On l'a humilié. Ba kiti sa kiye. Tout ça pourquoi? Nyonso wana pona yo pengai. Bien-aimé, vous ne pouvez pas oublier cet amour-là. Cet amour, c'est un amour éternel. C'est un amour qui vient du cœur. Toi et moi, chaque jour, nous devons nous souvenir de cet amour. Et chaque jour, nous devons nous demander qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu. Chaque jour chercher la face de l'Éternel. Pour qu'il puisse nous
montrer le chemin. Pour aider à Eva Nagotali Sadison Zera. Pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Pour aider à Eva Nagotali Sadison Zera ni Nicolanda. Oh, beaucoup de gens ne font pas cela. Nous allons libérer parce que la Kayangote. Même si ils écoutent la parole de Dieu. Avec vos qui t'ont parlé de Romain Nzambe. Même si je vois vraiment qu'ils ont péché. Avec vos qui t'ont écouté Pédé Katina Nissoumou. Je dis ah. Regarde, Zali Tomi Lobaïe. C'est normal, hein. Avec vos qui t'ont écouté tout un péché. Mais moi, c'est juste. Morina y Obongo, ya no empeche más que tú, si tú te la conoces. Y te voy a dar condima. Que Jesús es mort sur la croix pour toi. Et que Jésus a tout fait de tout sur mon aïeux. Et ça y est, un 4 dit. Et ça y est, un 4 dit, vous voyez. Alors à la nation pécheresse. Mawana, Mboka et Lissoumou. Au peuple chargé d'iniquité. Na libota oyo et Tony Sali Pendant na la race des méchants. Na l'olé ya Patanakanta. Aux enfants corrompus. Na Bana oyo ya Kanyaka. Ils ont abandonné l'Éternel. Bamo la Simoni Kolo. Et ils ont méprisé son saint, le saint d'Israël. Et Bamo la Moni Pamba Mosami na Israël. Ils se sont retirés en arrière. Bamo la Zonissima. Et châtiment. Basini Niwana. Oh, et tout vous dites que vous faites ça dans la vous multipliez vos révoltes. Quand vous venez pour nous ici contre vos canadiens. Les nous devons chaque jour nous répartir. Morina, les gens sont dans le monde. La parole de Dieu dit que tu devrais nous présenter chaque matin. Pour être que vous venez à l'objet d'aider à vous qui s'en va, au lieu de venir comme on y en sort. Et ça, tu devrais dire chaque soir. Et vous êtes bon et comme on y en sort. La parole de Dieu dit, notre Dieu est saint. Dame la vie sans vos saints. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Il a dit si vos péchés sont comme la gravité. Il deviendra blanc que la sonde la neige. Là nous allons voir un Samuel 1. Voilà, je vous donne un mot à un Samuel au capot. Nous allons voir une dame là-bas. Je vous donne un mot à Makuna. Je vais comment elle a passé le moment avec l'Éternel. Je l'ai gagné lié à l'excès qui battait mon ampolo. Sa vie a été en rose ou en blanc. Bon, il y a ça qui m'a la moto pété. Nous allons voir si quelqu'un trouvait que. Mais moi, je vais vous donner un petit mot à Makuna. Je vais vous donner un petit mot à Makuna. Et pour une offrir
donné un fils qui s'appelle Samuel. Après ce que moi, maman, on a envoyé à Samuel. Et l'aimé, Anne a respecté son engagement envers l'Éternel. Mon ami, Anne, Annie, à la naïve, 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 à la Y a
lui aussi aura honte de témoigner devant son père qui est dans le ciel. Il n'a pas une honte. Il est allé se présenter devant l'homme de Dieu. Okay, me voy a ir a la casa de la cueva. Ahora yo sí le digo, ¿qué pasa? 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 ¿
Écouterai ce que dit l'Éternel. Écouterai ce que dit l'Éternel. Je suis allé voir mon médecin. Je suis allé faire l'échographie. Il me regarde et il ne la reconnaît pas. Mais si madame, je ne comprends rien. On lui dit, docteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bien que je vois, je pense que j'ai vu il y a un mois. Je dis, docteur, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il dit, mais il n'y a rien. Moi, je dis, je vois ce que tu dis. C'est mon Dieu qui m'a guéri. Il attendait que je lui donne la suite. Il arrive là avec les papiers de son mari. Et lui, j'ai dit, est-ce gynécologique normal? Bien-aimé, tu as aussi la sursauté. Il a dit, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Mais mon Dieu, il a changé cette situation-là. Il a tout refait. Moi, qui s'appelle les germes. Il a tout créé par sa parole. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne cesse pas pour ta situation. Ne regarde pas aux années perdues. Tu persévérer. Tu persévérer.
Alors, je vais vous apprendre.
intercession comme d'habitude chaque vendredi on était à l'intercession. Pendant qu'on priait avec l'équipe des mamans, on a passé toute la nuit en train de prier. On était dit, on n'a pas le temps. Je n'avais même pas raconté cette histoire-là aux mamans avec son père. Alors directement vers 6h du matin, il y a votre maman qui était déjà rentrée chez elle à la maison, nous autres vous attendions après qu'il passe. On était resté à trois mamans. On était en train de causer. Du coup, il y a un homme de Dieu qui est entré, il a tombé à la mort. Il vient et dit, mes soeurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis venu chez vous pour que vous puissiez me bénir. On s'attendait pas à avoir une visite matinale comme ça. On était pour nous demander de l'argent. Donc je n'avais pas à toucher ou à dire quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un qui est venu. Donc c'est comme si c'est Dieu qui est venu nous demander. Alors, je n'ai même pas dit que je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de faire la même chose. Pendant que j'ai mis mon argent dans sa tête, tu sais, ça fait comme ça. Le médecin commence à prospérer sur moi. Il a dit, ma soeur, le Seigneur me dit, tu voulais voyager. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Mais cette fois-ci, avec l'acte que tu viens de poser, le Seigneur me dit, le Seigneur va te donner un travail dans ton église. Après avoir fait ce travail-là, si on a mosala, mosala wana, je vois déjà les portes qui s'ouvrent. La monnaie qui coûte pour maman. Je vois beaucoup d'ambassades devant toi. Ambassade de l'Église au Sénégal. Je vois la Suisse. La monnaie suisse. Je vois la Belgique. La monnaie belge. Je vois la France. La monnaie France. Je vois l'Allemagne. La monnaie allemande. Je vois l'Italie. La monnaie Italie. Alors, j'étais là. Donc, tu peux faire comme ça. Tu as dit voilà, maintenant. J'ai dit seulement, merci Seigneur. Il a prophétisé pour les autres mamans aussi. Et même, tout ce qu'on a quitté, c'était le samedi matin. Les dimanches matin, ils sont allés à l'école. Je n'ai même pas dit tout ce qui s'était passé, je n'ai même pas raconté à mon mari. Directement après le culte, le pasteur a dit, à partir de la semaine prochaine, nous allons prendre 3 journées pour encadrer la jeunesse. Alors, nous allons prendre les pasteurs qui sont au milieu de nous, qui sont dans les domaines de la médecine. C'est eux qui vont enseigner la jeunesse. C'était sur les perversions sexuelles. Alors, Dieu t'a choisi parmi les orateurs. Il a fait ce travail-là. Juste après, le dimanche où on est sorti. Et la vie qui a suivi. Le pasteur là où il travaillait. On lui dit que tu vas voyager la semaine prochaine. Et il vient à la maison, il me dit, mais moi je pars encore à toi, je suis désolé pour toi. Moi je dis, mais moi aussi je vais aller. On lui a dit, il a dit, voyons quoi. Va chercher ton passeport. Je vais aller chercher mon cousin là qui avait mon passeport. Il va ramener le passeport. On a fait toutes les démarches. Alors il fallait réunir les documents. On a perdu l'acte de mariage. On l'a cherché dans toute la maison. On l'a cherché même dans les bureaux du pasteur. Même dans l'église, même dans son bureau. Et c'était le dernier jour où
Enrique Suisse, Reconnais seulement ton état. Il dit,
confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Là, chacun de nous va se remettre en soi pour implorer la grâce de Dieu.